Nécrologie, le premier vice-président du CNG des courses hippiques n'est plus. Docteur Babacar Diop a été rappelé à Dieu la semaine dernière. Une foule nombreuse lui a rendu un dernier hommage. C'était en présence du chef du gouvernement, Souleymane Dene Ndiaye. Reportage, Louis-Philippe Sagna. Compassion et reconnaissance pour service rendu à la nation. C'est le sens profond de ce déplacement du représentant du chef de l'État. Au nom du chef de l'État, je présente les condoléances de la nation à la famille du docteur Babacar Diop, ainsi qu'à ses parents, qu'à ses voisins et à tous ses amis. Que la terre de Yoff, où il repose, lui soit légère. D'autres réactions ont suivi. C'est pour partager la peine de la famille éplorée de feu docteur Babacar Diop, un vétérinaire devenu diplomate. Il a servi en Inde et au Maroc. Demandons de transmettre au président de la République toute notre reconnaissance. Il vous a envoyé pour diriger ici une délégation de haute tenue et vous les avez rempli votre mission. Vous êtes ici en tant que fils, en tant que petit-fils, en tant que neveu, en tant que maire de Guinguenéo qui vient honorer un ancien maire de Guinguenéo. Pour tout cela, la famille vous dit merci. L'illustre disparu était également un féru de sport. Ses anciens collaborateurs du Comité national de gestion des courses hippiques, où il était le premier vice-président, n'ont pas manqué de rappeler ses qualités humaines. Des témoignages faits de vive voix, teintés d'émotion. Adieu, père Babacar, repose en paix. La terre lui soit légère.